un week-end de préparation pour les équipes. Ça sert aux équipes de direction de prendre connaissance de leurs équipes, les équipes de faire connaissance entre eux et d'avoir les informations nécessaires pour être au mieux au début du séjour, au début de leur contrat. Et puis de créer un esprit de groupe et de cohésion. Et c'est la première fois que je travaille à Viva et je suis sur mes vacances à la ferme. C'est quand même bien sympathique de cuisiner pour des jeunes, de donner son amour à toute cette jeunesse. Il n'y a pas de souci, moi je prends que du plaisir. J'ai pu prendre connaissance du site, j'ai pu faire connaissance aussi avec les anciens animateurs et aussi avec les nouveaux avec qui je travaille. Qu'est-ce que ça t'apporte encore ? Ça me permet de suivre l'évolution des séjours, s'ils ont changé. Ça me permet d'être toujours bien présente et toujours suivre ce qui se passe. Le Far West, c'est un séjour qui a un thème déjà ancré très très fort. Donc le but, en fait, c'est que les enfants, on doit les faire se sentir au Far West. Moi, je me fais pas de soucis parce que de ce que je vois par rapport à ma réunion de préparation, ils sont tous impliqués dans le séjour, ils posent des questions, ils sont vraiment très curieux de leur séjour. Là, par exemple, pour le week-end de préparation des équipes, on organise un grand jeu et il faut tout préparer avant qu'ils sortent de réunion. Le Far West couplé au quand je serai grand. Gagnant du jeu Intercentre Viva 2014, merci d'offrir un tonnerre d'applaudissements pour les centres du Far West Plus. Bravo, bravo, bravo. Victoire. La force pour toute la journée. Si on mange pas le matin, bah après on se sent pas bien. Et on grandit pas.
de ce blog, c'est déjà de les former sur comment on le fait, parce que c'est un système qui est un petit peu précis et interne à Viva. D'accord. Et également, pourquoi on fait un blog et quels sont les points importants. Pour eux, c'était de voir des cas pratiques, donc des cas qu'ils peuvent avoir vraiment pendant les séjours. Et c'est ce que j'essaie d'aborder avec eux, au-delà du côté administratif et tout qu'on a vu également, mais plus sur le côté vraiment cas pratique, sur ce qu'ils peuvent rencontrer, un enfant qui a une crise d'asthme, un enfant qui se coupe, un enfant qui a quoi que ce soit, comment réagir vis-à-vis des parents, comment réagir vis-à-vis du bureau, etc. Donc je viens de former une petite équipe d'animateurs à l'initiation au canoë. Parmi certains, il y en avait qui en avaient déjà fait, d'autres non. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, en leur rappelant vraiment les règles de sécurité, très importantes, surtout dans cette discipline. Permettre aux équipes de réfléchir à leur activité, au sens, à ce qu'ils mettent en place, pourquoi, et d'aller dans le concret de la préparation pour vraiment offrir le... Formation équitation ce matin. Donc on a appris à... par tranche d'âge à voir ce qu'on pouvait faire, voilà, les règles de sécurité et tout. C'est moi qui suis en contact avec les parents. Et du coup, parce qu'on en a quand même pas mal, on a beaucoup de séjours au départ de nombreuses villes. On a des enfants qui viennent de partout, que ce soit de l'étranger ou d'autres villes que Paris. Et donc il faut monter tout ça et c'est une grosse gestion et on en a beaucoup. Comme ça, fabuleux. C'était au top, trop bien. C'est que sur les moments où on est passé, sur les différents groupes de travail, sur les groupes de préparation et sur tous ces moments de convivialité, on a plutôt trouvé des gens qui étaient impliqués, qui étaient sereins. On a plutôt trouvé des formateurs qui étaient vraiment pris à cœur leur moment. Et je pense qu'à la fois pour la sérénité des animateurs, la sérénité des parents et le meilleur accueil des enfants, a priori de ce qu'on en voit, en plus on a eu le beau temps, ça s'est plutôt super bien passé.